tranchant. Et de la puissance. Ok. Ce qui fait qu'on a au moins puissance 2. Ici on a j'avais déjà donc ouais, donc on a 1 puissance 1, 1 puissance 2, ici on a un protection 1, on va avoir un tranchant 1, une efficacité 1. On a encore ce livre là à enchanter, puissance 1, avec le puissance 1 et donc le puissance 2, donc ce qui nous fait qu'on a un P3. On peut avoir un arc P3, ce qui est pas mal. Non, c'est pas là, c'est là. Quand on aura 5 niveaux. On est de P2, on a des protections, on a une efficacité. Eh ben, on est pas mal là. Allez, hop. J'ai plus de canne à sucre. Il me reste un. Ça, des graines. Alors, il me faut. Quand je dis c'est des graines, ce sont des graines là. Il va me falloir également des... Il va me falloir un peu de melon. Pas des masses. Hein. On va s'en faire 8, on aura déjà une bonne production. Ok. Et dernier cookie. Ok. On va cramer ça. Bon. Pardon les écolos, hein. C'est qu'au bout d'un moment je vais finir par manquer de bois et je vais avoir regretté d'avoir coupé tout ça, mais bon, pas de d'avoir cramé tout ça. Bon, ok, donc là déjà on va avoir une bonne zone, peut-être à terraformer un poil. Table de craft quand même. Alors, je propose c'est quand même qu'on fasse un petit peu d'extérieur. On va faire quand même un petit peu d'extérieur. Excusez-moi, je sais pas depuis combien de temps mon enregistrement a coupé. Attendez, et puis je crois en plus que c'est mon disque dur qui est plein.
Ok, c'est mon disque dur qui est plein, désolé. Donc, écoutez, au cas où, donc très rapidement, je suis en train de faire de l'agriculture en bas, et c'est tout, quoi. Donc, je suis en train de recouper du bois parce que j'ai besoin de bois pour mes clôtures. Voilà. Ok, donc nous nous retrouvons, alors pour moi le lendemain, le temps de de vider mon disque dur, tout ça, puis le temps de d'encoder les parties, il était déjà assez tard, donc je suis allé me coucher. Et donc je vous reprends après encore une journée de boulot. Voilà, tout ça. Donc on en était à faire comment donc à récupérer du bois. Je sais qu'il y a une coupure, hein, donc voilà, rien de spécial, hein, j'ai juste un petit peu. Oui, donc j'ai vu que ça avait coupé au moment où j'ai posé cette table de craft là. Alors je crois que j'ai encore coupé enfin cramé un peu de jungle par ici. J'ai terraformé un petit peu. Et juste compté donc pour avoir 8 sur 8 en. Un carré de 8 sur 8, c'est ça, hein. Non, je crois que c'est du non, c'est du 9 sur 9, voilà, un carré de 9 sur 9 pour faire de l'agriculture. Je sais pas encore exactement comment on va disposer les graines pour que ce soit le plus optimisé. Je pense que les graines de comment? De melon, on va les mettre peut-être dans les coins. Ou sur toute une bordure. Ouais, peut-être. Ouais, je pense les mettre sur toute une bordure. On en a assez pour faire toute une bordure. Hein. De toute façon, il nous en faut, je viens de le dire, 9. Une fois qu'on aura un enclos digne de ce nom. Voilà, donc 9 x 9, 81. Moins ceux que j'ai posés, allez, on va dire ouais, au moins un bon stack. Déjà ça. Voilà, ça on a déjà de quoi faire. Allez. Un coffre éventuellement à mettre ici. Serait pas de trop. On verra comment on fait ça. J'ai dit que je laissais 4. Ouais, c'est ça, 4. 1. 4. Ouais, j'arrive tout près de. Mine de rien, ça va être un beau champ. M'étonnerait que des mobs sautent ici, mais. On verra bien. Ma ouf. Ma ouf, ma ouf. Est-ce que ce bug marche toujours? Non, ça marche plus. Avant, on pouvait donner un coup de houe sur un bloc, comment, dans un mur. Enfin, oui, sur un bloc de terre dans un mur. Et ça, et il était labouré pendant quelques secondes avant que le jeu comprenne, que, étant donné qu'il y avait un bloc dessus, ne pouvait pas être labouré. Ok, niveau graines de pastèque, déjà des pastèques. Ouais, c'est ça, il y en a 9. Il va peut-être m'en manquer une, mais bon, c'est déjà bien. On va les mettre de ce côté-là.
Ça a poussé là-dessus. Mais en soi, c'est pas grave. Ça a poussé ici. Bon, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il me reste en barrière? Ah oui, il me reste 19 barrières. Donc j'en ai fait vraiment peut-être un petit peu trop. Mais bon, ça n'est pas grave. Hop. Voilà. Et pour finir, deux petits coffres qu'on va mettre là. Voilà, et puis peut-être encore cramer un petit peu de jungle par là-bas. Enfin, ce qui peut être rapide à couper, je le coupe, sinon. Ok, je l'ai entendu. Je vais augmenter mon son, hein, comme d'habitude. Après mon travail, j'ai diminué le son. Normalement, j'ai vu que le son pour vous devait être correct. Allez, t'es où l'araignée? Bon, ici, on va recramer de la jungle, hein, parce que c'est pas vivable. Ah ouais, quand même. Il a pris cher le briquet. Hop, allez. Dernier coup de briquet. Bah alors, on va prendre là. Hop, voilà, plus de briquet. Je dois en avoir un de secours, mais j'ai un doute. Ok, il commence à faire nuit. Les os. Pas grand-chose en os. On va quand même pouvoir. De toute façon, ici, je suis à l'abri. Je suis à l'abri sauf des araignées. Ah oui, puis des squelettes aussi. Allez, hop. À pas faire les foufous, on va se mettre à l'abri. Ok, il est 53 à mon horloge. Donc à 5 heures, je sortirai. 7 minutes, ouais, ça me paraît convenable. Ok, alors ça a poussé. On va s'en mettre une petite graine. Ça aussi, ça a poussé. Au niveau potion. Ah oui, j'avais dit qu'on devait se faire des magma. Enfin, trouver des slimes. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. On a de quoi encore se faire une pioche. Level 3. Non, c'est pas ça. On va pas faire ça. On va faire autre chose. Est-ce qu'il me reste du papier? Il me reste 2 feuilles de papier. Avec ça, je peux m'en faire encore 5. C'est pas suffisant. Pas enfin, suffisant pour un livre, mais allez, hop, tant pis, livre. Allez, un livre. De toute façon, je vais avoir 2 papiers en trop. Allez, enchante-moi ça. Efficacité 1. J'ai 2 niveaux, donc je crois avoir déjà une efficacité 1. Allez, hop. Je pourrais mettre en efficacité 2 sur une pioche en diamant. Mais je
j'attendrai d'avoir l'efficacité 5 hein, de toute façon. Protection 1, tranchant 1. Ah oui, j'ai 2 puissance 2 là. Il va me falloir 5 niveaux, il me semble, pour les fusionner, si je dis pas de bêtises. Un petit peu plus que ça. De toute façon, il me semble que quand je suis dans le Nether. Ah oui, alors attendez. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? J'ai un doute. De toute façon, ce sera pas assez. J'aurais dû tuer du mouton quand j'en avais devant les yeux, histoire de me faire un lit. Il est enchanté quoi cet arc? Puissance 1, ouais, c'est ça. Toi tu vas sortir de... Toi tu vas te... Voilà, hein. Vachement calme. Oups, j'ai même pas vu la flèche partir. Ouais, faut pas que je fasse trop les flifous avec les flèches, j'en ai que 4. Bon, de toute façon, comment je compte, c'est... Ouais, tant que j'y suis. Elle est où? Bon, j'ai le temps de la voir arriver, de toute façon. Bon, ce que je disais, c'était simplement... Au moins faire ça. Voilà. Je suis sûr que j'avais des os en bas, j'ai pas regardé. Ouais. Alors, ça on va les laisser là, ça aussi. Ouais, pareil, la canne à sucre. Pas besoin des flèches, il me faut des flint, des planches, je peux m'en faire, bah, des sticks, je veux dire, je peux m'en faire. J'ai fait un peu trop, mais bon, ça fait rien. Des torches, c'est bon. Ça pas besoin. Si, ça pour nourrir le chien. La terre, j'en aurais pas besoin. Merci, mais voilà. Des sticks, c'est bon, j'aurais pas besoin d'autant. La peine, on s'en va laisser là. Encore de la terre. Ça, on va la mettre là. Ça, on va la laisser là. Ça sert à rien d'avoir 36 centres de poids, surtout en telle quantité. On va en garder 4 sur nous au cas où on doit se poser quelque part. On est ce qu'il faut. Ok, je vais aller rechercher mes flint. Toi tu vas te recoucher le temps que j'aille en bas parce que je te veux pas en bas. Hors de question. Ouais, un peu chiant pour descendre ces lianes en fait, mais de toute façon je vais me faire des cisailles. Ouais, je vais me faire des cisailles, tiens.
peut être une bonne idée ça. Putain. Oh le stress. Et j'ai pété mon épée ou... Ah ouais, j'ai plus d'épée. Ah, la cisaille, ça pouvait peut-être attendre en fait. Oh mon dieu. Oh mon cœur. Bon, oui, ça je voulais. Et je voulais tenter un truc. Je voulais tenter un truc et je voulais tenter en extérieur, un briquet. En soi, vu que je n'ai plus qu'un briquet, je laisse de quoi en refaire un ici. Je vais même le garder sur moi. Alors, première chose, briquet. Qu'on va laisser là, celui-là. On se couvre. Alors, il nous faut le silex en haut, les sticks au milieu, les plumes en bas. On a 24 flèches. Et ben voilà. Voilà, on est bien là. Il y a du cuir là. C'est pas là. Hop, hop. Avec la hache comme les barbares. Le deuxième seau d'eau. Hop. C'est vrai que de la bouffe, je suis un petit peu à la rue. Je vais laisser dans le four. On a 4 poulets. Ouais. Les poulets. Ok, bon, ben. Résultat, je vais devoir me battre à la hache de bataille. Et à l'arc. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, je crois que j'étais en train de le nourrir en fait. Ouais, bon, sa queue est bien relevée. Ouh, cool. S'envoler, c'est là. Hop. Ah, ça a été vite, n'empêche. Bon. Ouais, ce que je voulais. Voilà. Histoire qu'on soit un petit peu plus... Mais comment il m'a targeté jusque là-bas, le zombie, parce que... Parce que normalement ils sont pas censés nous voir à travers les lianes. Ouais, c'est vrai, le chien vient pas là. Bon. Objectif. Deux objectifs. Le premier, se trouver un marais. Le deuxième, se trouver des moutons. Des moutons. Faire un lit. Pour se faire un lit, et quand on aura un lit, on pourra passer la nuit. Même si bon. Une fois qu'on a un lit,
Je vous laisse admirer les poulpes avec Affinity HD. Plus petite organisation d'inventaire, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai besoin. Fire. Bon, on va courir un petit peu parce que là... Allez, on sort de la forêt. Et on va aller tout droit, toujours. On va bien finir par trouver un biome jungle. Ah, déjà, on a ça. Merci, tu m'en as donné combien? Deux, j'en ai un à la base. Bon, au moins on peut retourner à la base et se faire un lit. On va s'en faire quand même un petit peu plus. Pourquoi, je sais pas, mais c'est toujours utile. De toute façon, tant que je dépasse pas le stack, ça change pas parce que c'était dans mon inventaire dans tous les cas, et puis voilà quoi. Par contre, on va pas tondre le mouton gris parce qu'on va garder que de la laine blanche. À poil, voilà, allez. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une faille ici. Une faille, un détail imprimé sur tes lèvres. Une faille qui dévoile un abcès de fièvre. Enfin bon, allez, si vous aimez le rock. Allez, on va bien finir par tomber sur un biome marais, bordel. Ok. Hop. Oh, c'est pas mal ça. Un peu bizarre là-haut, mais... Ok. Pourquoi pas. Bon. C'est là que je regrette de ne pas avoir de cheval. Ah oui, puis c'est vrai que maintenant, dans ces biomes-là, les... Comment? Ah, les sommets sont enneigés. Qui n'est pas pour me plaire, étant donné que vous savez que je n'aime pas la neige, que je n'aime pas le blanc en général. Par contre, j'adore les steaks. Ce biome, c'est quoi ce biome? Refait forest, je connaissais pas. Sympa.
toute façon, ah d'accord, c'est assez. D'accord, oui. Il me fait peur. Comment? Ah, c'est sympa, il y a des champignons. Ouais, non, cool. Bon, je connaissais pas ce biome. C'est nouveauté de la 1.7. J'ai pas eu le temps d'explorer là.